Salut, moi c'est Gabriel Soulin, je suis développeur back-end chez Cartable. J'y ai fait mon stage de fin d'études et ça fait déjà 4 ans et demi que je suis ici et je m'y sens bien. Au niveau de l'API, on est sur une application Symfony 3.4, on est hébergé sur le cloud AWS. Et au niveau du front, on a trois applications qui sont respectivement sur Android, iOS et web. Sur le web, on est sur Angular 6 et les deux applications mobiles sont natives. Alors, au niveau des challenges techniques, on a une grosse intelligence qui permet de proposer à nos utilisateurs les meilleurs cours et les meilleurs exercices possibles par rapport à leurs compétences et leur progrès sur notre plateforme. On peut ajouter aussi qu'il y a une grosse fréquentation au niveau du bac et nos utilisateurs ont un besoin vital de notre plateforme. Et dans tous nos développements, on doit prendre en compte le fait qu'il ne faut absolument pas que ça tombe pour cette période clé de toute notre année. Et au niveau de la concurrence, il y a énormément de concurrence, donc il faut qu'on reste absolument à la pointe de la technologie et de l'innovation pour permettre de proposer à nos utilisateurs la meilleure expérience possible sur notre plateforme sans qu'ils aient envie d'aller voir nos concurrents. Alors, au niveau des cycles de développement, on est parti sur la méthode agile. On fonctionne sur des sprints de 2 semaines avec leur petit poker planning au début et le sprint review à la fin. C'est un projet qui est vraiment ambitieux et qui permet d'aider des milliers d'élèves dans leur scolarité. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Un deuxième point qui peut être abordé, c'est qu'on a une équipe qui est jeune et dynamique et qui est composée de 2 pôles complètement séparés. On a un pôle éditorial et un pôle technique avec des personnalités et des ambitions qui sont vraiment séparées. C'est extrêmement rafraîchissant de travailler avec eux. Et je me sens bien ici.